C'est l'invité média maintenant, l'invité média qui délaisse le temps d'un été. Nicolas Canteloup pour rejoindre des parents célibataires en quête du grand amour dans une villa en Provence. Bonjour Hélène Manarino. Bonjour, bonjour à tous. Comment bonjour Kéron. Oui, bonjour Hélène. Comment ça va Hélène? Très bien, et vous? Ça a l'air, vous avez beaucoup de sourires dans la voix, donc c'est très très bien. Ce soir, 21h10, on vous retrouve donc sur TF1 à l'animation de Ma mère, ton père, l'amour et moi. Quel est le principe de cette nouvelle émission? Bah déjà, je suis super fière et j'ai hâte de la diffusion ce soir. C'est la comédie romantique de l'été, vraiment. C'est 8 parents célibataires qui cherchent l'amour. Ils ont tous été déçus voilà, par différentes histoires. Et puis, donc les enfants ont décidé de les inscrire à ce séjour romantique pour trouver l'amour. Ce qu'ils ne savent pas, les parents, c'est que les enfants vont pouvoir totalement agir sur l'aventure et sur ce qui va se passer pendant ce séjour. D'accord, ce sont les enfants qui portent candidature pour les parents, enfin pour le parent. Exactement. D'accord. Exactement. Donc en fait, les parents arrivent dans cette maison, ils sont 8, les enfants sont dans une autre maison, ils pensent être là pour alimenter du contenu sur les réseaux sociaux, etc. Mais en fait, pas du tout, ils vont pouvoir tout voir, tout entendre grâce à des caméras. Et choisir. Ouais. J'adore ce qui va se passer. Voilà, donc il n'y a aucun voyeurisme. Vraiment, c'est extrêmement bienveillant. Mm-hmm. C'est des enfants qui veulent voir leurs parents heureux avant tout. Mm-hmm. Donc, il y a plusieurs lectures dans ce programme. Il y a évidemment la recherche de l'amour, trouver l'amour une nouvelle fois, recommencer sa vie, même si on a déjà eu une première vie. Il y a une dimension très touchante et très importante pour moi, c'est la famille. Parce que vous allez voir le rapport entre les enfants et les parents. Les enfants vont apprendre des choses sur leurs parents extrêmement touchantes aussi. Et puis, il y a aussi beaucoup de sororité entre les femmes de l'aventure, de solidarité entre les hommes. C'est très bienveillant, vraiment. Quel est votre rôle, vous? Est-ce qu'il y a un petit côté l'amour est dans le pré dans cette histoire de famille? Alors, moi, mon rôle, déjà, c'est d'accompagner les parents et les enfants. Ce sont des gens qui n'ont jamais fait de télé, évidemment. Ils ne veulent pas faire de télé, ils ne veulent pas être connus. Ils veulent juste être heureux. Donc, c'est de les accompagner dans cette nouvelle aventure aussi. Et puis, moi, je connais le secret. C'est-à-dire que je fais le lien entre les deux maisons. Je vais voir les enfants. On prépare des choses ensemble pour les parents. Et après, je vais dans la maison des parents en disant, voilà, les experts, sans dévoiler qui sont les experts, ont choisi tel rendez-vous aujourd'hui. Je suis à l'origine de cette supercherie, finalement. Mais si vous, un de vos parents cherchait l'amour, vous iriez l'inscrire à ma mère, ton père, l'amour et moi, pardon. Ma mère, ton père. Vous pouvez dire ton père. Ouais, ma mère, ton père. Non, j'ai quand même parce que je pense que le but pour un enfant, c'est de voir ses parents heureux, en fait. Donc moi, si mon papa, par exemple, pour être heureux, c'est de trouver l'amour, je ferais tout pour. Donc si c'est l'inscrire à ma mère, ton père, l'amour et moi, évidemment. Oui. Et encore une fois, c'est bienveillant. Donc voilà, c'est une dimension, c'est vraiment, il y a beaucoup de valeurs, je vous l'ai dit, familiales, humaines, il y a l'empathie, la bienveillance, c'est touchant, donc oui, à 100%. Quelle est la réaction des enfants quand ils voient leurs parents? Parce que c'est pas forcément un visage qu'ils ont l'habitude de voir au quotidien, parce que en tant que parents, on se comporte pas de la même manière quand on a nos enfants ou pas nos enfants. Oui, en plus, ça, ils ne le savent pas. Donc, la réaction, c'est que vous allez voir ce soir, puisque les enfants découvrent les écrans et découvrent évidemment leur rôle. La réaction est dingue. Il y a des cris, ils sont hyper contents, excités. Et puis, il y a toutes les émotions. Il va y avoir beaucoup de joie, d'émotions. Enfin, pas de tristesse, mais en tout cas, ils vont se rendre compte de certaines blessures aussi de leurs parents. Et puis, parfois un peu gênés quand je vous dévoile rien, mais il s'agit de faire des karaokés ou de danser. Donc voilà, et que on voit une maman chanter la chanson en bande organisée, voilà, genre de choses. Mais c'est ça resserre les liens, ça casse un peu les codes. Et puis, moi, je trouve ça beau de se dire que nos parents sont là pour nous rendre heureux et on est là aussi pour leur rendre parfois, en fait. Et c'est ce qui se passe. Et puis aussi, il y a les parents, quand il s'agit de draguer, c'est des gamins de 14 ans, quoi. C'est génial, ils retrouvent ces émotions
de séduire. Premier rendez-vous, allez, vas-y, là, je me fais beau, comment je m'habille. Les enfants, secrètement, qui vont dire, non, mais dis pas ça, fais pas ça au premier rendez-vous, mais pourquoi? Donc voilà, c'est assez drôle aussi. Ouais, c'est mignon. Très, très mignon. En tout cas, cette semaine, vous n'allez pas chômer, puisque je crois que samedi soir, où il y a un grand quiz à 21h10 également. Ce sera quoi la thématique? C'est êtes-vous HPI? C'est la question que tout le monde se pose en ce moment. C'est bizarre. Exactement, hein, mais avec c'est une un grande test, voilà, modestie. Suis-je HPI? sur le QI, le bon jeu de l'été, voilà. Il y a plein de choses sur le QI, la mémoire, un peu de culture générale avec des invités, le public. Je suis très contente, le grand quiz, parce que c'est le premier prime que j'ai porté toute seule sur TF1. Donc je suis très attachée à cette émission. Et puis elle fait du bien l'été, voilà, même l'année d'ailleurs. Donc c'est samedi soir. Et en effet, c'est une semaine importante. J'espère que les gens n'auront pas marre de moi. Nous aussi. À la rentrée, on vous retrouvera au quotidien dans C'est quand le loup, aux côtés de l'imitateur préféré des Français. Est-ce que des nouveautés sont prévues? Déjà, là, on est porté par l'actualité, donc il va se passer plein de choses. Nicolas se nourrit de tout ça pour créer de nouveaux personnages, etc. Donc oui, on réfléchit aussi à de nouvelles idées. Saison 2 pour moi, donc il peut se passer oui des choses différentes. Et puis même notre lien à tous les deux après une année, il est plus fort. On se connaît mieux. Voilà, moi j'ai des liens aussi avec des personnages. Ça se taquine un peu plus. Donc on va aller peut-être encore plus loin, ouais. Merci beaucoup Hélène Manarino, merci infiniment. On vous retrouve donc ce soir, moi je suis très curieux, 21h10, ma mère, ton père, l'amour et moi et les enfants évidemment. Merci. Ainsi que le grand quiz samedi 21h10, le tout sur TF1. Merci beaucoup. Merci à vous bel et été. Puis passez un bel été. Je voudrais dire aussi que j'aime beaucoup Kéron, je l'ai vu 4 fois de suite en spectacle. 4 fois de suite, parce que c'est pas 4 fois, c'est 4 fois de suite. C'est vraiment quatre gentil. Fois de suite. Merci beaucoup. Voilà. C'est adorable vraiment.